Voilà, on lance la VOD là-dessus avec donc 190 000 de porte-monnaie, 140 000 en cash. Et tout ça, on va pouvoir le claquer maintenant. Donc, viens par ici. Petit sorcier, petit tapot. Il nous reste 80 000. Ça va être une serveuse. Let's go. Et donc voilà, salut re tout le monde, et bon match à toi aussi École. On se retrouve ici donc chez les gros gnos, avec notre équipe qui a survécu malgré tout au match précédent. On a eu qu'un seul décès, on a viré deux joueurs, on a recruté du coup trois joueurs pour remplacer tout ça. Arcane Raël, Adalberan et Anishan. Et face à nous, Des Nordiques avec du bloc. Et Monsieur Goblina pour lancer le toss. Il est sorti de sa petite retraite pour nous faire plaisir pendant 3 matchs. Et qui reviendra la semaine prochaine pour arbitrer la demi-finale et la finale de la Mad Cup. Mad Cup qui reprendra la rentrée. Si jamais vous avez envie de jouer avec nous, n'hésitez pas. Alors, le match que vous voyez là, hein, c'est pas du tout Mad Cup, c'est du plaisir, uniquement du plaisir. Entre guillemets. Et GG Major Marco pour le level up. Donc, on va avoir l'attaque. Si on a un peu de chance, on pourra peut-être mettre un pain dans la tronche. On se souviendra que le match précédent s'est démarré par un blitz pour l'adversaire. C'était une bonne entrée en matière. Ok. Voilà, c'est le M de Mad, hein, évidemment. Vous l'aurez reconnu. Allez, c'est parti. Les joueurs peuvent se déplacer d'une case, très bien. J'ai pas eu mon blitz, oui, effectivement. C'est un scandale, monsieur Goblina. J'ai peut-être pas eu assez de pots de vin laissés. On va faire ça. Ok. Éventuellement, on peut même faire ça. Et puis pourquoi pas ça. Voilà. Ok, incroyable, il est ramassé direct. Donc, toi tu viens ici. On va être obligé de sacrifier un Michel Gnoblard. Qui est-ce qui va prendre là du coup? C'est l'IA qui va prendre. Tout ça pour envoyer un petit blitz là-bas. Ok, incroyable, c'est passé. Alors, si jamais tu pouvais passer l'armure là pour faire rêver tes fans. Signe noir. Non. Mais c'était déjà pas mal. On va pas bouger davantage. On va venir par là. On va venir par là. On va venir par là également.
Ok. Allez, c'est parti. Ça c'est fait. Pour l'instant, tout va bien. C'est maintenant que ça se complique. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ou pas. Cerf-volant. Cerf-volant, succès. Lancer, échec. Normalement, on peut. Ouais, il va partir quand même. Malheureusement, il part pas bien loin. Très bien. Voilà, le retour des 1. Donc, tour 1, premier 1. On les avait comptés lors du match précédent. On était arrivé à un ratio correct d'à peu près 1-1 par tour. Je crois qu'il y a 2 ou 3 tours, on n'a pas eu de 1. Ok. Et là. Non, mais si, c'est important quand même. On a vu un beau 6 passer. Mais voilà, c'était important parce que il fallait impérativement obtenir le deuxième 1. Qui nous met bien la directe. Tour 1, déjà 2-1. On a un petit peu d'avance. Une marche confortable. Ouais, tu viens ici, s'il te plaît. Bon, est-ce qu'on représente l'équipe peut-être en attendant? Nous avons sur la touche Arcanrael, donc un des 3 nouveaux joueurs. Anishan également. DJ Creeper. Ici Xebus. Ah purée. Ici. Et Adalberan donc. Ça ce sont pour nos remplaçants de ce match aussi. Ouais, je voudrais que tu viennes ici. Le pire rebond. Tous les autres étaient bons. Enfin, sauf éventuellement sur le joueur lui-même. Et donc sur le terrain, nous avons Karz. Nous avons THX. Nous avons Blood Bowl 3 en ogre. Signe noir. Major Marco. Lia. Moi-même, qui est Carthagène, et Highcold, donc notre adversaire du moment. Ok. Bon, bah là déjà c'est la merde. On va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Fin du match là-dessus. Donc éventuellement on va faire ça. Ok. Éventuellement on va faire ça. Ok ok. Toi tu vas venir là. Toi tu pourrais nous faire ça. C'est passé. Incroyable. On va rester là. On va même venir ici. On va tenter Nuffle. Non pas comme ça, mais comme ça. Ici. Ok.
Allez, un autre dé. Ouf, là le blocage, hein, ça y est, on va être bloqué là-dessus. Ok. Là, on va poursuivre, oui. Ouais, ça se passe, hein. C'est le meilleur deuxième tour de notre vie. Bon, c'est une vie de deux matchs. Mais vie quand même. Tiens, viens par là. Et on y va, là. On y va. On donne tout. On pourra pas courir après, mais c'est pas grave. Non, non. Et il y avait le 1, effectivement. On l'a pas vu du tour. Il était là. Voilà, c'était presque beau. Presque, s'il n'y avait pas eu le blocage. Signe noir, KO. Premier KO du match. THX, première blessure. Aucun effet à long terme. Ok, super. Ça, c'était vraiment la volonté du jeu de donner la balle. Il a fallu traverser trois cases pour arriver jusque là, mais le ballon l'a fait. Pas de problème. Oh, l'instinct de survie. C'est vrai qu'on n'a pas vu qui était le MVP du match précédent d'ailleurs dans notre équipe. L'IA blessé. Aucun effet à long terme. Voilà, la diagonale est là, c'est fini. On va devoir faire des miracles pour empêcher le touchdown. Déjà qu'on n'arrive pas à faire les trucs normaux. Ok. Bon. Toi, tu peux y aller quand même. Incroyable. Ouais, enfin, tu peux passer par d'autres cases. Ça ne te dérange pas. Bon, après tout, hein, toutes les cases mènent au gazon. Quoi qu'il arrive. Le 1, El Famoso. Il est là. Le logre il sert à rien. Vas-y. Lance-nous ça s'il te plaît. Ce serait pas mal par ici. Incroyable. Incroyable. Quel lancer. Lancer de la perfection. On va venir là. Et puis mettre un dé. C'est mieux que rien. C'est surtout mieux que le blocage dans notre face. Ok, bah ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'on est pas loin de parler d'un tour merveilleux. Il manquera simplement la balle à faire tomber, mais... Il faut savoir se contenter de ce qu'on a.
Bon, toujours 3 tours 3, hein. On en avait un d'avance. Et le blocage, Aikol qui sort son joueur. Il y a un point d'agilité, on va essayer de le ramener. Pas de blessure, voilà, c'est ça qu'on veut. Comment peut-on briser un coup alors que le Gnoblar n'a pas d'os? Il n'y a rien à briser. Oh, incroyable. Ah, c'était beau. C'était beau. Oh là là, ils sont chauds. Incroyable. Il y a eu le croche-patte, on s'est jeté dans les tibias, dans les chevilles. Et c'est le décès de Grimm. C'est fou. C'est fou. À qui est-ce qu'on doit ça? C'était qui? C'était Aminou. Aminou, le tueur de Nordique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand-chose. Ok. Ça, c'est un début. C'est un début. Est-ce qu'on se tente le très beau jeu Gnoblar? Parce que c'est vrai que, quitte à se prendre 160 touchdowns dans un match et 250 blessures, autant qu'on soit là pour essayer de faire rêver quand même ce public qui a fait le déplacement. Donc, ce qui va se passer, c'est ceci, cela, et on va essayer de gratter la case qui nous manque pour ici. Bon, à moins 3D. Hein. Moins 3D, attendez, est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose ici, éventuellement à moins 2D, quoi. C'est déjà chaud. Allez, il nous faut un double push. Double push du plaisir. Double push du plaisir, s'il vous plaît. Ça passe. Ça passe. Bon, alors maintenant, rien n'est fait. Mais au moins, on a la case. Donc on pourrait récupérer ça, peut-être. Venir là et transmettre. Brouette de jet de dés, comme d'hab. Hein. Ça change pas grand chose, ça. Allez. Non. Alors, c'était trop beau. C'était. Les mouvements de pro, hein, évidemment. Kars est pourtant habitué de la chose. Mais là, c'était un peu too much. Derrière, il aurait resté le lancer hein, de l'ogre. C'était là. Ah, on voit une défense fébrile quand même en face. On se dit, à tout moment, ça pourrait arriver de loin. Major Marco, KO. Et Sorman Nesca aussi. On va tenter le ramassage. Premier échec. J'ai vu l'assassinat, bravo Ogno. Ah, j'aurais tellement aimé voir le lancer derrière. Mais bon, c'est ainsi. Écoutez, on va avoir une deuxième chance. La deuxième chance, elle est là. Ah, il faut chaque chose en son temps. Déjà, on vient jusqu'ici avec la balle. Esquive.
Ramassage, aucun problème. Le 6 là de l'infini, transmission, aucun problème. Lancer, aucun problème. Ah purée, mais c'est lancé, à chaque fois il nous lance dans ses pieds. Bon bah c'est pas grave, hein, on y va quand même. On y va par nos propres moyens. Et derrière... Non mais... Je veux pas la passe, je veux... Voilà. Derrière on va venir... on va venir même ici. Tiens, viens là. S'il te plaît. Voilà, c'est la contre-attaque fulgurante des gnos. Alors évidemment, à chaque instant, ça peut mal tourner. Trois gnos face au reste du monde. Reste du monde avec blocage. Le reste du monde va nous tomber dessus. Fallait pousser la balle de l'autre côté, ça aurait été un peu mieux. Inspiration Gno dans ce joueur. Tout à fait. Ah, il manque la petite blessure de fin, mais dans l'esprit, c'était pas mal. C'était pas mal, ils sont admiratifs. Ils ne pensaient pas que les grandes gens étaient capables de ça aussi. Bien, donc on va aller chercher cette balle. Pas. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de 1. Peut-être deux tours de suite sans 1. Bon bah bien sûr que si, on utilise l'esquive. On va aller là. Oh, incroyable. Incroyable Gno. Bon, en même temps, il faut au moins ça. C'est sûr. Comment on gère ça? On va gérer ça comme ça. On va y croire de toutes nos forces. De toutes nos forces de petits gnos. Purée. Nouveau 1 sur le ramassage. Il y a des gens dans le public qui n'y ont pas cru et ça s'est vu. Bon, on saute sur le ballon. Pardon, un petit gno dans la gorge. Moi j'y croyais, nous dit Anishan, ouais, pareil. J'y croyais, mais peut-être pas assez fort. Oh là là, et derrière le touchdown. On était pas loin de la Vanity Pass là-dessus. Ah bah on va quand même la tenter. Ça aurait pu coûter le touchdown cette affaire.
Et donc voilà, l'ouverture du score. N'hésite pas, sorcier, ouais, je pense que c'est ce que j'aurais fait si jamais la passe avait été ratée, par exemple. Allez, on revient. Alors, on va laisser notre ogre ici. On a besoin de quelqu'un par là. C'est notre dernier tour. Ok. Dernier tour avec un lancer pareil, c'est mort. On n'aura pas l'occasion de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est mort. Bien. Bien, bien, bien. Bah écoutez, on va essayer de sacrifier celui-là. Enfin, il n'y aura pas de tour derrière, donc pas de sacrifice. Tue-moi un second nordique. Écoute, on va essayer, à défaut d'autre chose. Ok, il y a la bonne intention. On va rester sur place. Toi qui va y aller. Oh, les gnos n'ont jamais été aussi aussi costauds. Attends, Michel, c'est pas fini. Voilà, évidemment, le gnoblard est curieux de nature. Quand il voit quelque chose tomber au sol, il ne peut s'empêcher de se précipiter pour aller voir ce que c'est. Et comme Monsieur Goblina a décidé de partir à la buvette, on va aller voir si la chose résiste au pied. Oh, incroyable, incroyable. Grimir ratera le prochain match. Ah bah, Monsieur Goblina. Ah oui, mais c'est parce qu'il a senti l'odeur du pot de vin. Alors, Sermanès expulsé pour ce geste de qualité. Fichtre. On aura tout eu sur cette action. Bon, il aura manqué quand même la tentative de passe derrière du point d'expérience. Pot de vin, de plus, on a fait un petit 1 là-dessus. C'était le 1 du tour. Je sais pas où on en est des 1. Là. Je pense qu'on n'est pas loin du bon ratio 1-1 par tour quand même. Il est pas content du coup, ouais, effectivement. Bon, mais Monsieur Goblina, quoi qu'il arrive, vous lui proposez des pots de vin, il les prend. Hein. Il n'y a pas de négociation possible. Il a vu, là, depuis la buvette, quel engagement on avait eu les petits sacs de thunes. Il s'est dit, attendez. Attendez, les gars. Espérez pas m'endormir avec une vieille bière de Squig, là. Alors que je pourrais m'en mettre pendant au moins toute la soirée avec 100 000 balles. Et là-dessus, donc, ce sera la mi-temps sur le score de 1 à 0 pour le hasard nordique.
bon. On récupère nos KO. Là, depuis le match précédent et celui-ci, on est plutôt bien sur les KO. Certes, avec l'aide d'une serveuse. Mais tout de même, tous les KO sont revenus depuis le début. Donc là, on est en défense. Bien. La défense, c'est ce qui pique. Enfin, quand on est gno, même l'attaque, ça pique un peu. C'est tout, on n'a pas plus de joueurs. Vous êtes sûr? 3, 4, 5. Ah si, il y en a un devant. On va le laisser devant. Il sera très bien. 1, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ah oui, nous en. Bah. Bon, attendez. Ah, il est là. Il est caché dans le logo. Vous savez où est-ce qu'il est passé? Ça manque d'ogre dans cette équipe. Ouais, c'est vrai que les Nordiques aujourd'hui sont un peu faiblards. Quelques ogres en plus n'auraient pas fait de mal. Mais bon, je pense que pour nous, en tout cas, il était important de rester fair-play et de pas prendre d'ogre. Sinon, ça aurait été une boucherie. Défense parfaite. Ah, un engagement pour nous. Donc c'est oui. Qu'est-ce qu'on va faire de... Tiens. Vas-y, barrez-vous loin. Barrez-vous loin, toi tu vas venir ici. Le gno oublié, on va aller le chercher. On va même te mettre ici, toi. Voilà. Il n'y a que 10 nordiques en face, ouais. Ça fait toujours 20 dés dans la tronche par tour. Quand ils seront tous arrivés au corps à corps. Ok, on a résisté. Major Marco a survécu à ça. Moment d'introspection pour lui également dans ce match. Dans le gazon, on repense à sa vie, sa courte vie. Dédicace à Spurt, que nous saluons de là-haut. Repose en paix, Spurt. 11 days. On fait tous des Spurt en puissance ici. Ok, un petit 1 sur l'animal sauvage. Qui est plutôt sympathique. Viens ici, s'il te plaît. Ok, on est passé. Ensuite. Ouais, hop, 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 hop. Incroyable. Ils sont beaux, ces gnos. Ils sont beaux. Ils sont parfaits. Est-ce que tu pourrais atteindre? Ça va être chaud, ça. Ça va être chaud. Ah, mais attends, peut-être qu'on peut te lancer. On va lancer lui, plutôt. Lui, il est plus loin. Ça craint un peu moins. Tiens, vas-y, lance-le par là. C'est quoi, ça, cerf-volant? Non, cerf-volant, c'était passé. Non. KO pour Xebus. Bon, du coup, on va tenter ceci. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tes collègues l'ont fait. Voilà, il l'a fait. Bien, et maintenant, il en manque un, évidemment.
pour le beau jeu. Non, il en manque deux. Il en manque deux. Des os. Il manque lui. Il manque lui. Hop. Et là, c'est maintenant. C'est maintenant ton grand moment. Karz, le champion. Le champion, d'ailleurs, on va peut-être même le faire blitzer par... Viens ici. Voilà, par ici. On va essayer de pousser la balle un peu plus loin si possible. Incroyable, il l'a fait, il est arrivé. Oh non, pas maintenant, pas comme ça Zinedine. Oh. Alors on donne tout ce qu'on a, malheureusement. C'est pas passé. Très bien. Bah vous savez quoi, on va venir là. Je pense qu'on pourrait venir là, ce serait pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait tout à fait venir là, ce serait pas mal aussi. Incroyable, incroyable ce tour de folie. Malheureusement, il manquera encore une fois le petit tombé de ballon. Hein. T'as oublié de laisser des munitions. On a des nains peut-être dans l'assemblée qui pourraient utiliser des arquebuses ou autres pour nous aider. Tiens, on va par là. École de blessé par lui-même. Aucun effet à long terme. Bon, on va le récupérer parce que il nous manque déjà des joueurs. Puis ça lui donnera l'occasion de se taper dessus une troisième fois. Ce qui va passer. Bon, le blitz est passé aussi. Bon, on va pas se mentir, là notre ogre nous servait plus à rien. Donc, on continue nos... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Venir ici et venir là, par exemple. Déjà, ça, c'est pas mal. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Toi, t'es un peu loin. Toi, tu pourrais venir par là, par exemple. Ah, on l'esquive là, quand même. Ça nous permet de peut-être tenter quand même de relever Michel. Ouais. Michel est relevé, pas de problème. Est-ce qu'il peut enchaîner un petit lancer de coéquipier d'ailleurs? Tiens. On part là. Lancer de coéquipier échec, ouais. On s'attendait pas à ce que tu réussisses, en revanche, on s'attendait à ce que tu lances quand même un peu plus loin. Bon, hop. Vas-y, sauve ta vie de petit gno. Non. C'était trop demandé. Les soutiens servent à rien sur les ox et les trolls. Ah, fichtre. C'est bien de le dire. Bon, en même temps, ça nous a permis de lancer un gnou.
S'il n'était pas venu, il n'aurait pas pu être lancé. Après, c'est vrai que pour être lancé aussi loin, est-ce que ça valait vraiment le coup de venir? Tiens, viens ici. Aminou, le tueur de Nordique, est à terre. Il est à terre, mais il n'est pas mort. Voilà, la blessure de Karz, ça c'est moche. Bon, puisqu'on est là pour le beau jeu. Je pense qu'il est temps. Oh non. Eh, ouais, quand même. Quand même. Bon, on a fait tomber qu'un, mais c'était l'essentiel. Finalement, on aurait utilisé l'éclair, c'était pareil. Ok. Après, on n'a plus personne pour y aller, malgré tout. Donc toi, non, tu vas pas y aller comme ça. Toi, tu vas venir ici. Ok. Est-ce qu'on te vire, toi? Oui. Attends. Ouais, si, on va te virer par là. Petit paquet et petit paquet aussi. Ok. Ok. Blitz à l'ogre, bon sang. Mais il y a quelqu'un devant là. On se tente ça. Petit ramassage là. Voilà. Easy. Et puis on va même sortir des zones de tacle. Parce que voilà. Et là, éventuellement. Non, on va pas tenter le blitz à l'ogre, on va rester là où on est. Tu veux pas taper avec ton ogre avant, non? J'ai pas envie de perdre sa zone de tacle. Blood Bowl 3, il est pas très fiable du coup. Oh, oh le blocage. Ça c'est fiable en revanche. Adalbéran pour son premier match, Sonnette. Déjà il réfléchit à sa carrière. Il est toujours pas de joueur du coup. Si il est là. Je sais pas où il est mais il est là. Il y a eu trois nouveaux dans l'équipe. Adalbéran. Oh, tu dois être dans la fosse, hein, quoi qu'il arrive. Attends.
Si le jeu veut bien nous laisser chercher. Ouais, tu vas venir par là. Peut-être. Ah ouais, Mishan il est là, il est en sécurité. Bon, donc là on a tous nos joueurs au sol. Grosse ambiance. Ok. Ok. Voilà, on en est là. Ouais, malheureusement le blocage, hein, parce que sinon il y avait des puches, on pouvait peut-être s'en sortir. Ça c'est vraiment la plaie. Ah, c'est pas pire que tacle sur les gnos. Mais c'est la même ambiance. Ouais, j'ai pas compris pourquoi le push. Pourquoi pas l'avoir éclaté direct. Ouais, ce sera le touchdown du break ici. 2-0. Ah, j'allais lire le prénom et puis après je me suis dit oh là il y a trop de lettres. J'ai déjà éternué aujourd'hui. Ah, Xebus nous a fait un petit 1 sur son réveil de chaos. Il apprécie visiblement la bière de la réserve. Alors bah écoutez, on va rien changer si ce n'est lui ici. Avec une chandelle, eh bien très bien, c'est toi qui vas aller la chercher. On sait jamais. Non. Non mais c'était pas mal. C'était un début. Tu peux même venir par là. Ici dit. Il y a quelqu'un devant là, non? Tiens, tu vas venir par là. Ah, je me suis planté de joueur, c'était lui qui devait aller. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Chaque chose en son temps. Est-ce qu'on se tente un petit... attendez. Là, ce serait moins 2. Moins 2 aussi.
pourrait se tenter le blitz là. Voilà, on reste sur place. On revient. Ici, hop. Ici, hop. On oublie un. Ouais. Non, c'est rien passé. Ok, ok. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est ça. Ok. Et fin de tour. Il nous reste peut-être 3 tours pour créer l'exploit. Blessure sur Arcanrael, nouveau joueur de l'équipe, évidemment, il manque un peu d'expérience. Et du coup, là, il a pris le pain pleine face. Major Marco sonné. Non, le Yeti voulait pas y aller. Pas de problème. Bah écoutez, je pense qu'on va la faire. On va la faire simplement. Est-ce que l'ogre, à tout hasard, tu serais chaud? Tu serais chaud pour venir par là. Il est chaud. Il est chaud, il est venu là où on a voulu. Allez, là, faut pas se rater. Voilà, faut pas se rater donc. Ok, ok, ok. Ouais, hélas. Triste histoire, ouais, ouais. Bon, en même temps, c'est l'histoire de la vie des gnous. Ah, ça c'est plus intéressant par contre. C'est plus intéressant où? C'est plus intéressant ici, je pense. Ah, j'avais zappé la frénésie. Ça aurait été plus intéressant vers la touche, de fait.
Carthage n'en démord pas. En revanche, Aminou, KO. Le tueur de Nordique encore dans la fosse, mais intact, nous dit Anishan, c'est tout à fait vrai. Ouais, bon, avec des 6, tout est plus facile aussi, c'est sûr. Ah! Ah. Ok. J'ai envie de dire, est-ce que les Nordiques ont vraiment besoin de ça? Bon. Ouais, si, pas le choix. Hein. Pas le choix, c'est lui qu'on va enlever. Oh là là. Ah. Ah, dommage, hein. Je peux venir là? Ah non, il y a un cadavre là. Bon, en même temps, c'était lui-même un cadavre. Ouais, ce sera le troisième touchdown. Tu me traites de cadavre. J'ai pas vu que c'était ton gno. Mais si c'est le cas, oui. Allez, dernier tour, et après on va pouvoir passer à autre chose. Et ne plus retoucher à ce jeu pendant une autre année. Mute, tout à fait, bon en même temps j'étais en train de dire que le kick était tout à fait intéressant pour me permettre de tenter quoi que ce soit. Dans la foulée on a claqué le petit 1 qui allait bien, la relance, après on a eu le pot, certes. Et bien là-dessus c'est fini, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut tenter quand même une passe, peut-être. Non, le jeu a dit non, le jeu a dit à l'année prochaine. Merci d'être venu. Vous pouvez repartir avec un 1 pour finir.
Écoute, je pense que c'est méchant pour les fillettes, ça, Anishan. Je pense qu'il y a des fillettes bien plus costauds que cet ogre. Et voilà, là-dessus, bah écoutez, on en a terminé. C'est Signe Noir qui aura le joueur du match. On peut aller voir peut-être vite fait l'équipe quand même. On va aller voir qui a eu de l'expérience. Personne n'est mort ce match-ci. L'expérience donc sera tombée sur Signe Noir, Karz. Oups, je voulais pas cliquer. Signe Noir, Karz, et on n'a pas un 2 d'XP qui traîne. Non, c'est quoi? Il s'est tué tout seul. Il s'est tué tout seul sur un gophorite. Je croyais que c'était sur une esquive ratée, mais apparemment non, c'est pas le cas. Donc, eh bien voilà, là-dessus, on en a terminé de nos petits matchs avec Icold et Anishan. On va se retrouver pour ceux qui sont en live dans 2 minutes après une petite pause pour leur finale. Donc tous les deux vont jouer avec les équipes qu'on a vues ici. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite.